Nous revoilà à la vidéo 41, qui est la suite tout de suite la vidéo 40, parce qu'on a été interrompu par un coup de téléphone, en fait, qui n'a servi à rien ce coup de téléphone, mais bon, il nous a dérangé un petit peu, donc je m'en excuse. Et je reprends tout de suite pour continuer donc, dans la vidéo 41, expliquer que nous étions ici sur le dollar. Dans cette configuration, on a considéré que c'est un piège et lorsqu'on achète ici, évidemment, là on peut voir qu'on a quand même eu une accélération qui est flagrante après avoir cassé ce point-là ici. On a une accélération. Donc, voilà un exemple de ce que vous pouvez chercher sur le marché et je vais vous proposer également un exemple sur le pétrole. Le pétrole. Maintenant, regardez, par exemple, le pétrole, on a premièrement le centre de gravité qui est haussier. Donc, on se dit, ceux-là, ce sont des pièges. Il va falloir qu'on fasse attention. Donc, premièrement, donc on va faire ça et on va créer une ligne ici et on va se dire, tiens, ici, lorsqu'on va casser ça, on va acheter. Mais ici, ce n'est pas si puissant que ça, d'accord? Là où ça va être intéressant, bien que ça ait fonctionné, vous avez vu qu'après ça, on a eu un mouvement haussier. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Une fois qu'on a cassé ici, ce point-là, on a eu un mouvement haussier. Mais le plus important, ce que je voulais vous montrer, c'est ce point-là ici. Parce qu'ici, on est clairement dans une tendance haussière. Là, vous le voyez ici, ce point. Attendez, je vais essayer de bien le montrer. Ici, voilà un point très important. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est tout simplement un appât. Mais lorsque vous savez, que vous connaissez la technique, vous venez et vous tapez, vous faites ça et ici vous décidez d'acheter. Tout à l'heure, dans la vidéo 40, quand je parlais de cette configuration là, j'avais dit que j'achetais, mais bien sûr je m'étais trompé. Ici je disais évidemment qu'il faut vendre, hein. Je pense que vous vous rappelez, vous avez vu, je pense que vous vous rappelez de ça, et je m'étais trompé. Et ici on achète. Et vous avez vu, on peut gagner 500$ facilement sur ce pétrole-là, ou même plus, 1000$, juste sur cette accélération-là. Et une fois qu'on rentre dans le rouge du centre de gravité, on peut sortir. Donc, mais on peut aussi, vous avez vu, cette accélération, elle a quand même pu tenir jusqu'à ce niveau-là. En réalité, ce signal-là, et cette cassure-là est un très bon signal d'achat. Voilà, donc on pourra chercher des configurations sur les marchés de cette manière-là. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que sur une configuration sur le pétrole, on va pouvoir faire ça. On peut ensemble, même maintenant ensemble, essayer de regarder et des configurations où on va avoir cette par exemple ici on a une tendance haussière et on a ça, d'accord? Donc est-ce que c'est valable? Oui, parce que ici vous allez apprendre à les trouver et elles sont là. Donc là, ici on a un très bon signal d'achat, on achète, on fait un pullback, on renforce la position et on sort ici. Voilà un trade très très bon. On a un bon signal ici. On attend, on fait rien. On sait qu'on va acheter, mais on va acheter ici. Donc on achète ici, on a une première accélération. Le marché revient. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on est sur un nouveau, c'est un pullback ici. On le sait. On achète une deuxième fois ici et on sort les deux contrats ici. Et on a fait un trading professionnel. Voilà, donc on va essayer de faire plusieurs vidéos peut-être pour encadrer cette stratégie. Peut-être je vais regarder un peu
sur le marché des Tibons, c'est le marché des bons allemands et les marchés que je vous ai recommandés. Et on va essayer de voir et des exemples concrets de cette stratégie pour que vous puissiez la maîtriser dans son ensemble. Et donc, si je vous invite à, si vous repérez des exemples intéressants où il y a eu effectivement une très bonne espérance mathématique de rentabilité grâce à cette technique, ben vous pouvez poster l'image sur Facebook. Voilà.